Bonsoir encore une fois. Je n'écoute pas les mamans. Bonsoir les mamans. Je suis tellement contente de voir autant de femmes réunies ici pour encourager, soutenir les femmes. C'est ce que nous attendons, cette solidarité-là. Premièrement, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Inès Tanguay, je suis la vice-présidente de la communauté. Ça va faire maintenant plus de 2 ans. Et je suis aussi candidate aux prochaines élections comme présidente de la société. S'il y a des mamans qui veulent soutenir les femmes avancées, essayons de lever nos mains et dire on veut prendre les mamans avancées. Merci beaucoup. Et je remercie aussi les organisatrices de cet événement. C'est vraiment un plaisir de voir que les femmes maintenant prennent conscience que nous devons nous lever, nous devons changer les choses. Étant femme, nous savons que quand une femme se décide de changer les choses, on peut remarquer ces changements-là. On dit si on n'aura pas peur de Dieu et on aura peur de la femme. Parce que là, quand la femme se décide, même le diable de l'église dit non, je laisse la place à la femme. Alors, je remercie vraiment maman Bibi, maman Castel et toutes les mamans d'organiser cet événement. Merci beaucoup. Et j'aimerais juste parler un tout petit peu de l'apport de la femme dans la communauté. J'ai entendu les mamans parler et elles ont vraiment très bien parlé et tout ce qu'elles ont dit était vraiment capital. C'est d'ailleurs de ça qu'il s'agit. Je vais essayer juste de spécifier ça au niveau de la communauté. Ce qui est vrai, le taux de participation de la femme affecte aussi notre communauté. Mais actuellement, là, nous ne sommes que 2 mamans dans la communauté, dans le comité de la communauté, pour représenter toutes ces belles mamans que je vois ici. Toutes ces intelligentes mamans que je vois ici. Pourquoi pas utiliser cette intelligence-là pour faire monter notre communauté? Comment nous pouvons que nous retrouver 2 mamans sur toutes les belles et intelligentes mamans que je vois ici? Il y a moi, il y a maman Yvette, qui est la responsable du département de femmes. Alors que nous avons encore plus de postes. Nous avons la communication, nous avons la représentante du côté public. Nous avons besoin de gens pour parler et représenter notre communauté. Nous ne pouvons pas toujours être là à dire que les hommes peuvent le faire. Nous ne pouvons pas toujours être là à dire qu'il y a déjà certaines femmes qui le font, alors laissons faire. Non. Nous, les femmes, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons être solidaires. Nous devons essayer de venir concrétiser ce que nous disons. Tout pas. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Nous devons nous décider nous-mêmes, nous lever et concrétiser ce que nous pensons. C'est nous les femmes, c'est nous qui éduquons, c'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui prenons soin de nos maisons et même de la société. Alors si on se décide de mettre la main dans la pâte, dans notre communauté, nous allons voir notre communauté changer. En tout cas, que cet événement ne s'arrête pas qu'à une fête, que ça ne s'arrête pas qu'aux théories, je souhaiterais que ça se concrétise dans la pratique, que l'on puisse voir les femmes dans notre communauté s'élever et défendre notre pays ici dans la diaspora. Nous en avons besoin, nous devons nous affirmer. Nous ne sommes pas n'importe qui. Je vois des femmes ici, ce sont des femmes respectables. Pourquoi ne pas nous faire respecter? Et non seulement dans le physique, l'apparence, nous pouvons aller au-delà de ça. Nous pouvons faire mieux que ça. Et je peux voir le changement. 5 ans passés, on ne pouvait pas retrouver une femme, réunir autant de femmes comme ça pour une cause noble. Et on peut voir le changement aujourd'hui. Les femmes se réunissent pour des causes nobles. Et je suis très fière de nous, si seulement nous pouvons encore acclamer pour nous-mêmes les femmes et travailler encore plus ensemble. Différence. Faites très classe, très propre, avec de belles femmes. Basse maillée, les basse qui tombent. Ce que tous ont maillé, les on a tout à mon ça. Donc, tombe la communauté, on peut battre au camp. Pour ma maman battre les mi. Ma papa va s'y passer par là-bas. Au biso peto ya to bati sa part de biso. Biso de to botak. Biso de to éducak. Oh yo to tabano to tabo préparer la culture là-bas. Au biso de.
Bah, papa, pour tout vraiment t'es bisonné. Tout ce qui s'en va, on peut encore faire plus que ça. Donc, tout est les maman, et là, on a le qui vraiment que tout, trop bima, awa. Et ça, la théorie, et ce qu'on a le logo, et ce qu'on a massanalité, et ce qu'on a awa, et ça, le logo, autant que tout ça, maman, moko à réfléchir. Et là, on est dans le qui qu'on s'en a pour apporter changement dans la quatrième communauté d'un pisson. Et je profiterai aussi pour la colombe que ceux qui vous avez dit dans ma préoccupation, vous avez dit dans le moment, Naza, la communauté, ça fait quand même un bon moment. Ce que ça va préoccuper, c'est que l'autre moment, vous avez échangé. Tout le monde, vous avez dit que vous avez dit que vous bien été. Naza, awa, étant vice-présidente, vous avez dit que 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 vous puissiez peut-être avoir une idée. Parce que ce qui est vrai, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que or à la communauté, mais je pense que dans mon connaissance, je peux être la bonne personne pour me remercier, place au besoin de moi, ma précision, de ma confusion sur ce qui concerne la communauté. C'était un peu ça ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Elle a bien parlé, nous tous. Nous avons écouté, nous avons attendu. Maintenant, je fais appel à une maman encore, maman Eliana. Elle a quelque chose à nous dire.